Alors raconte. Qu'est-ce que tu fais en classe? J'écoute des histoires, je fais de la peinture, et il y a même des poissons rouges. T'aimes bien l'école, dis donc, Stella. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Gendarme. Ah bon? Pourquoi tu veux devenir gendarme? Pour aider les autres. Voilà les pizzas. Oh, super. C'est monsieur qui porte. Merci. Vous avez mis l'huile piquante? Oui, c'est dans les boîtes. Et on est tombé en panne de gorgonzola. Vous avez double dose de mozzarella sur la 4 fromages. Bah génial. Et bah tant mieux. Mais de rien, avec joie. On va se régaler. Bah surtout Stella, hein. Tu m'étonnes. Double dose. Stella! Pourquoi elle répond pas? Bah elle doit encore dormir. Vas-y, ouvre. Stella? Stella? Elle est pas là? Comment ça, elle est pas là? Stella? Viens là, toi. Elle est pas là. Stella? 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 Madame? Vous auriez pas vu une petite fille brune? Elle a 6 ans et demi, elle a un pantalon bleu marine, elle a un t-shirt rose. Elle a des ballerines noires. Non? Non, j'ai rien vu, non. Stella? Excusez-moi, madame. Je cherche ma fille. Elle était dans la voiture. Elle a 6 ans. Vous l'auriez pas vue? Non. Merci. Stella? 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 Alors Ziad, il est parti ce groupe? Oui. Ah bah tant mieux. Ah madame Traoré, c'est son papa qui vient récupérer au Cémon ce soir? Oui, oui. D'accord. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Courez pas, vous êtes pas en retard, tout va bien. Bonjour. 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 Bonjour les enfants, mais vous êtes tout seul? Mon père a dit que c'était moi qui ai amené Stella. C'est ma maîtresse? Oui, bonjour Stella. Bienvenue à l'école. Tu vois le préau là? Quand je sonnerai la cloche, tu te mettras en rang devant la porte avec les autres, d'accord? D'accord. Attention, c'est nous. Oui, bonjour monsieur Dubois, c'est Céline Thibault. Je pensais vous voir pour le premier jour de Stella. Vous m'apportez bien les papiers d'inscription de la mairie tout à l'heure, sans faute surtout, hein. Je vous souhaite une bonne matinée. Mais comment elle va faire pour nous rattraper, Stella? Ben, elle a manqué qu'une dizaine de jours. Puis si elle a du mal, on l'aidera tous, hein. Ou c'est nous? Elle n'a jamais été à l'école. Trop de chance. Je t'ennuyais pas. Pourquoi t'as pas fait la rentrée en même temps que ton frère et ta sœur? J'étais malade. C'était quoi ta maladie? Bon, on va commencer, hein? Stella, tu retires ton gilet avant d'aller t'installer? J'ai froid. Ah bon? Regarde, on est tous en t-shirt, il fait 25 degrés, là. Je suis encore malade. Bon, bah, tu le retireras plus tard si t'as trop chaud. Tu vas te mettre à côté de Noémie, là-bas. Montre-lui, Noémie, la place. Ça veut dire que tu es restée tout le temps avec tes poupées et ta maman, alors? Hé, hey, ma trousse! Non! C'est ma trousse! Stella, arrête. Stella, Stella, tu rends la trousse à Noémie, je vais te donner des affaires. Tu prends pas celle des autres, d'accord? Voilà. Et ça, c'est à toi. Tu peux le prendre et ça aussi. Bon, vous prenez vos ardoises? C'est quoi? La récréation. On joue à quoi? Je joue pas avec toi.
Noémie ? Oui ? T'as vu, tout est nouveau pour Stella, hein ? Tu lui laisses le temps de s'habituer gentiment ? Oui, mais j'aimerais juste qu'elle change de place. Ah oui, mais ça, c'est pas possible. Faut d'abord que je vois ce qui est mieux pour tout le monde. Tu seras un peu patiente ? Oui. Bon, tu vas rejoindre les copains et les copines. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, j'ai pas pu venir ce midi. Alors je suis passée à la mairie. Vous avez tout. Je peux vous parler deux minutes? Vous voulez bien me suivre? Bien sûr. Les enfants, vous rentrez à la maison. Maman, elle vous attend. Faites attention aux voitures. Elle a été sage? Bah, on voit qu'elle a jamais vécu en groupe. Ouais, mais c'est très important pour sa maman et moi qu'elle aille à l'école. Ses problèmes de santé, ça l'a trop retardée. Ah, d'ailleurs, j'ai pas encore vu votre femme. Oui, elle sort pas beaucoup. Avec la grossesse du quatrième, c'est compliqué. Bah, je comprends, mais si elle peut passer, les enfants se sentent rassurés quand on connaît leurs parents. Bien sûr, je lui dirai, oui. Ah, il me manque le carnet de santé. Ah oui, je sais, oui. Mais comme avec sa mère, on court les hôpitaux, les médecins, on a fini par le perdre, le carnet. Oui, mais je suis embêtée. Moi, j'ai pas le droit de garder un enfant sans certificat de vaccination. Et une attestation, ça vous irait? D'accord. Mais vous me l'apportez au plus vite? Bien sûr, oui. Merci, parce que pour elle, c'est dur de pas être comme les autres. Tenez. C'est parfait. Les enfants, vous mettez pas vos affaires en boule, hein, sinon ça sécherait jamais. Vas-y. Bah, et toi, c'est tout ce que t'as sur le dos alors qu'il pleut? Pourquoi t'as pas mis ton manteau? C'est ton cartable, il est où? J'ai oublié. J'écrirai un mot à ta maman pour qu'elle t'aide à y penser. Non, faut pas. Ah bon, pourquoi? C'est moi qui y pense pas. Bon, c'est pas grave. Hein? Rentre dans la classe. Je vais te donner des feuilles et des stylos. Il passait son temps à lui faire des farces de toutes sortes. Il n'était jamais à court d'idées. Marie en était toute étonnée. Jean, son petit frère, qui aimait tant la faire tourner en bourrique, lui offrait des fleurs. C'était le plus beau jour de sa vie.